commentaire. Ouais. On rappelle. Tout sans moi, c'est vrai, moi, ça marche bien. Ça détend. Ça détend. Ça détend. Ouais, c'est juste parce que ça fait un peu Noël, mais. La plupart des gens de musique là, ça fait un peu. Ouais, ça c'est bon. C'est bon.
monde, joyeux Saint-Valentin, j'espère que vous allez bien. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est la journée de la Saint-Valentin. C'est un bon matin, on est encore le matin, il est peut-être 10h35 en ce moment. Je me suis réveillée très tôt ce matin, comme d'habitude. Je suis pas capable de me réveiller tard. J'ai été porter Dawson à la garderie vers 8h. C'était la journée habillée en rouge ou en rose. Donc, j'ai mis un de ses chandails préférés rouge. Donc, voilà. Ensuite, mon chum vient juste de partir pour aller faire ses traitements de physio et tout. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, je vais juste en profiter pour préparer deux vidéos, en fait. Je sais pas si j'aurai le temps de faire des deux. Mais je vais commencer par une. J'ai envie de faire une vidéo spéciale que je ne fais pas habituellement sur cette chaîne. Donc, vous allez sûrement le voir peut-être avant même cette vidéo que je vais poster. Donc, peut-être que vous l'aurez déjà vu. Je vais faire une vidéo, comment on appelle ça? Chit-chat, make-up. Donc, je vais me préparer parce que tout à l'heure, de toute façon, je vais aller faire l'épicerie. Avec mon chum, donc rendu là, je vais me préparer en vous parlant un peu de ma life, de mes plans et tout. Donc si vous voulez le voir, la vidéo, je vais vous le mettre juste ici. Ensuite, quoi d'autre? Oui, c'est ça, fait que j'ai deux vidéos. L'autre vidéo, ça va être... c'est une idée que j'ai eue de faire une vidéo lookbook. Que j'ai faite il y a des années déjà, mais j'ai envie de faire donner des idées look et des conseils sur le look que j'ai moi présentement, vintage, si vous aimez ce côté-là. J'ai un look vintage, mais pas trop, tu sais, j'aime le petit look vintage, mais je l'adapte pas tant que ça. Mais c'est un look que j'aime beaucoup, comme... dans le look et dans chez moi. Voilà. Fait que je vais préparer ces deux vidéos-là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je vais commencer par une. Puis après ça, ben j'espère que vous allez aimer. C'est sûr que la deuxième vidéo, vous allez peut-être le voir sur le lookbook. Vous allez peut-être le voir un peu après. Mais voilà, je commence tout de suite. Et on se voit tantôt. Bye-bye. Bon, ben je suis contente parce que j'ai été capable de filmer ma première vidéo qui est un chit-chat make-up. Je suis vraiment contente d'avoir été capable de le réaliser, d'avoir eu le temps de le faire. Et je pense que c'est quand même bien réussi. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de faire ma deuxième vidéo? J'en ai aucune idée. Je sais que mon chum, il va s'en venir après son rendez-vous. On va aller faire l'épicerie ensemble. Est-ce que ça me laisse le temps de faire ma deuxième vidéo? Je réfléchis, je regarde. Je vais regarder voir si j'ai le temps. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais fermer la caméra puis je vais commencer ma deuxième vidéo. Hey, salut! Salut tout le monde! Bon, ben, c'est ça. Ben, j'ai eu quand même une journée... quand même assez bien, assez relax. Donc, j'ai pas fait grand chose à part que, bon, vous savez, j'ai fait mes les deux vidéos que je voulais faire. J'avais déposé mon fils à la garderie avant ça. Ensuite, j'ai été faire l'épicerie avec mon chum. Et ensuite, c'est ça. Donc là, il est allé chercher Dawson. Mon chum est allé chercher mon fils à la garderie. Donc après ça, on va faire une petite soirée, on va faire un petit souper et tout. Fait que voilà. Et je vous revois tout de suite. Bye!
Je me suis couchée très tard. Ben, il était 2h30 du matin. Puis je me suis réveillée à 7h30, proche de 8h. Fait que ça va. Je bois mon café. Je regarde quelques petites vidéos YouTube sur mon laptop. Et voilà. Je pense que ça relaxe. Il a l'air de faire beau dehors. Mais je suis sûre qu'il fait froid. Oh mon dieu, il faisait tellement froid hier. Bref, je ne vais pas vous garder longtemps. Donc, on se voit tantôt. Bonjour tout le monde, ben bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout là que j'ai pas filmé. J'ai vraiment été vraiment occupée. C'était mon anniversaire à ma soeur et moi la semaine passée, la fin de semaine passée. Puis c'est ça, on était débordés. Puis là, je suis en train d'organiser la fête de mon fils cette semaine. Il y a ça, fait que je travaille en plus de beaucoup tous les jours. Donc, j'ai vraiment été occupée, j'ai même pas eu le temps de faire vraiment des vidéos pour faire des montages de vlogs. Mais je vous promets, je vais faire quelque chose d'assez bien, là, assez bien. Donc, c'est ça, j'espère que vous aimez mes vidéos. Là, je reviens du travail. Et c'est ça, mon fils s'en vient avec son papa de la garderie, donc je les attends. Je voulais vous parler de quelque chose parce que, justement, pour mon anniversaire, j'ai reçu des produits hydratants pour le visage. Moi, là, j'aime beaucoup les produits soins du visage parce que je trouve que c'est tellement important de prendre soin de sa peau. À partir de la vingtaine, trentaine, tout ça, pour que, un peu plus tard, ta peau puisse, paraître quand même assez bien. Moi, je suis dans la trentaine. Fin trentaine, donc c'est ça, moi je veux rester quand même je veux prendre soin de ma peau, je veux pas, je sais que les rides, ça va arriver et c'est bien d'avoir des rides, je trouve ça bien, mais il faut qu'on vieillisse bien aussi, donc là, j'ai reçu des produits, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit-là, parce que moi pour de vrai j'en ai jamais entendu parler, La Roche-Posay. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en tout cas, je sais pas, là, mais je capote. Ça, c'est une crème hydratante. C'est une crème hydratante, puis je vous dis, là, ça a été un effet immédiat. Tout de suite, mon visage, quand je me lève le matin, je me sens bien, je sens que... Tu sais, j'en mets sur le cou, j'en mets sur le visage, faut en mettre à côté des yeux. Je sais pas, c'est une crème très légère, mais vraiment, il fait tout de suite son effet. Après ça, j'ai un démaquillant.
se démaquillant aussi, c'est comme si tu mettais de la crème. C'est vraiment doux. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Un fluide nettoyant et démaquillant. Ouais, c'est ça. C'est un nettoyant et un démaquillant. Ça, je le remarquais parce que je suis en train de le passer, mais dans le fond, ça lavait mon visage, ça démaquillait tout, puis ça fonctionnait bien. Celui-là, je n'ai pas encore utilisé. C'est de l'eau thermale. Je ne l'ai pas encore utilisé, je vais vous le dire, là. Je vais vous en faire part. Je n'ai pas encore utilisé, mais mon Dieu. OK? Puis, je voulais vous parler de quelque chose d'autre, mais attendez-moi deux petites secondes. OK? Vous savez, bon, moi, je vends des produits cosmétiques, je vends des rouges à lèvres, puis ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé des produits de d'autres compagnies. Donc, cette semaine, je me suis fait une folie. C'est la première fois en 4 ans que j'utilise des rouges à lèvres autres que ma collection. J'ai acheté le rouge à lèvres de Maybelline Superstay Matte Link, okay, que je porte en ce moment. J'ai pas fait aucune retouche de la journée. Okay? Là, c'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est un petit peu plus sèche, mais j'avais le masque tout, il est resté intact. Le rouge à lèvres est resté intact avec mon masque. Je travaille toute la journée avec un masque. Okay, je l'enlève de temps en temps pour mon café, des affaires comme ça. Mais je sais pas, là, ça me fait réfléchir. Mon rouge à lèvres de nos produits, c'est la même chose, sauf que c'est pas aussi intense. Donc, j'aimerais vraiment, ça me fait réfléchir au prochain rouge à lèvres que j'aimerais vendre dans ma collection. Donc, je trouve ça super intéressant. Dès que tu l'appliques, c'est glossy. Vous allez voir, vous allez l'appliquer, c'est glossy. Faut attendre que ça sèche. Après, ça sèche, mais pas sèche désagréable. J'ai porté ça toute la journée, je me sentais bien. Je ne sentais pas que j'avais besoin de retouche. Même quand j'ai mangé, je ne sentais pas que j'avais besoin de retouche. Vraiment, je sais pas, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouverais ça égoïste de ne pas en parler du tout à personne. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Justement, je vais aller me démaquiller, aller prendre une douche. Et c'est ça, passer la soirée avec ma famille. Et c'est ça, on se revoit tantôt.